51, la dernière ligne, le bonheur fout la Porsche, numéro 54, partir à côté de Guillaume Le Bailly, le numéro 51, le pilote normand avec la Peugeot 306. Allez, c'est parti, le super départ, voilà, pour Stéphane Fleau. Le super départ de Stéphane Fleau, attention. Pour Robert avec Jean-François Desfins. Bien sûr, la catégorie Max Tourisme là qui a pris les devants. Stéphane Evenot, sans problème, qui a déjà une longue avance sur Robert Paul et sur Jean-François Desfins. Attention, Jean-François Desfins, ça glisse. Derrière, on retrouve l'attaque là d'Anthony Le Bailly. Anthony Le Bailly, Guillaume Le Bailly, pardon, le pilote de la Peugeot 306, là, de deux coups là, avec Yaroui Stéphane Evenot, Thibaut Delurey à l'intérieur. Immobilisé au niveau du poste 3. Allez, Stéphane Evenot, salon avion déjà, le numéro 78, la Citroën DS3. Avec il y a toujours Robert Paul, le numéro 94, lui aussi sur Citroën DS3. Donc, hop là, Stéphane Evenot, parti à la faute. Stéphane Evenot, parti à la faute au niveau du poste 8. Robert Paul là donc qui a pu récupérer quelques mètres, donc il faut aller chercher pourquoi pas la pole position là ce soir. Et derrière l'attaque de la Porsche, c'est passé par le coup de la foule sur Guillaume Le Bailly, attention. Et oui, ça glisse pour les pilotes de la catégorie Maxime Tourisme. On retrouve Jean-François Desfins toujours la troisième position, la 10, la 310, au numéro 51. Alors si je ne me trompe pas, Julien, tu pourrais me dire, hein, mais Jean-François Desfins, il a fait le championnat de France dans la catégorie Maxime Tourisme, non? Ah, il est plus gentil que ça, oui. Donc Jean-François Desfins, lui aussi, des années d'expérience dans la catégorie Maxi Tourisme. Wilfried Bonapo, que l'on connaît bien sûr, là, il a roulé quelques saisons au volant d'un châssis Sopiac dans la catégorie Buggy Cup. Et bien, il est au volant désormais de la Porsche, là, avec le numéro 54. Pour l'instant, la quatrième position, la cinquième, et bien, dans les mains du pilote normand. Avec la Peugeot 306, numéro 5 pour Guillaume Le Bailly qui va tenter l'attaque à peut-être dans la ligne droite sur Wilfried Bonapou. Ça ne passera pas là pour Guillaume Le Bailly. On retrouve un petit peu de virage, un petit coupeur au numéro 19, le pilote des Deux-Sèvres pour Thibaut Delurey. Le numéro 19, c'est pas qui a repris encore une fois quelques mètres là. Sur Robert Paul et sur Jean-François Desfins. Allez, derrière, il y a une grosse explication là, dans la catégorie Tourisme Cup avec Wilfried Bonapo qui, pour l'instant, garde Guillaume Le Bailly avec Thibaut Delurey derrière lui. Allez, voilà le dernier tour pour Stéphane Evenot, pour Robert Paul et pour Jean-François Desfins. Allez, Jean-François Desfins revenu là au contact de Robert Paul pour la deuxième position peut-être dans ce dernier tour, le dernier virage là pour Stéphane Evenot pour venir l'emporter ce soir sans problème là pour Stéphane Evenot. Attention, oh la grosse attaque, Jean-François Desfins sans problème là, ça passe sur Robert Paul à la relance, ça ne suffira pas pour Robert pour réussir à garder la deuxième. Oh le dernier virage, le dernier.